Donc, il me faut des basiques, deux basiques. Ok. Faut une shulker box, sérieusement? Je peux utiliser autre chose? Ah si, des chests. Faut que je fasse des chests alors, c'est tout. On va en faire quelques-uns, c'est bon. Hop, external. Oui, donc évidemment, il me faut la construction, la destruction comme d'habitude. Hop. Voilà, et il me faut. Donc, voilà, external storage. Hop. Non, donc c'est pas interface, c'est external storage. Ok? Ouais! Super! Et avec le slave, ça marche! Yes! Yes, 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 yes! Ah, ça c'est bon ça! Ça c'est bon ça! On aime quand ça se passe comme ça! Bon, la question c'est au niveau. Ici. Ouais, ça n'est pas en train de se remplir parce qu'il a. Parce que voilà quoi, il a. Bon. Alors j'avais le storage monitor. Est-ce que lui il se décide à m'indiquer quelque chose? C'est assez chelou, ça m'indique rien lui. Ok, bon, quoi qu'il en soit, j'ai accès à tout. J'ai accès à tout ce qu'il y a dans mes drawers. Donc je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait. On va pouvoir carrément crafter ici. On va pouvoir faire quasiment tout ce qu'on veut. C'est assez génial. Je vais même pouvoir déplacer tout ce que j'ai en merdier dans mes coffres là-dedans. Non, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Donc, après, je pourrais toujours me faire un mini système comme ça, avec simplement un contrôleur, un grid de standard et un. Donc, un contrôleur, un grid standard et un truc de. Voilà, quoi. Un disque drive. Je pourrais faire un petit peu comme je veux. Alors, question là, est-ce que justement, parce que les drives, la priorité là, ça va être les drives. En vrai, non, la priorité, ça va être les patterns. Est-ce que je peux en créer? Il me manque le vert. Alors, voilà, il va falloir maintenant, c'est faire ça. La question c'est si je lui demande de faire des redstone furnace. Ah oui, évidemment. Hop. Ah, alors ça, inconvénient, il ne me marque pas quand il me manque des choses. Alors pour le moment, justement, je vais crafter un redstone furnace. Il va me falloir que je crafte un deuxième crafter. Donc ça, l'avantage, c'est que voilà, là, je peux, et je sais ce qui me manque. Il ne sait pas faire la machine casing. Faudrait surtout lui apprendre ça. Faudrait surtout lui apprendre ça. Alors, avant même de se faire le furnace, en fait, faut surtout qu'il sache faire ça. Hop. Donc, il va manquer du verre, hein, c'est ça? C'est quoi ça? La stone? Ouais, ok. On va lui mettre de la stone. C'est pas un souci. Où est-ce que je l'ai foutu? Cobblestone. Ouais, vas-y. Hop. Bon, quasiment tout ce qui demande à être chauffé, va falloir faire de la stone sur furnace avec des interfaces. Pour lui apprendre comment faire en fait. C'est un petit peu le souci. Bon, alors. Ouais, ok. Donc là, si je lui demande un crafter, qu'est-ce qu'il manque encore? Il manque donc un construction corps et un destruction corps. Donc ça, pour le moment, il faut encore que je les fasse manuellement. Donc, qui dit construction, destruction, dit basique. C'est Refined. Refined Storage, il me faut des basiques. C'est reparti. Je vais en faire plusieurs. Je vais en faire plusieurs parce que de toute façon, pour le moment, j'en ai besoin que de deux. Donc je vais prendre les deux là. Ok. Ensuite, il me faut la construction, la destruction. Hop. Destruction. Et on fait notre crafter. Ah, c'est beau. C'est beau comment ça marche. C'est beau. Ah là 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 là. Bon. Hop. Et donc. Deuxième crafter dans lequel on va mettre donc le redstone furnace. Et là, ça va être un petit peu l'enfer, c'est qu'il va falloir descendre dans les crafts encore et encore. Mais avant, j'aimerais refaire des patterns. Il me manque du verre pour ça. On va refaire chauffer du sable. Alors en vrai, je pourrais les mettre dedans, mais il sait pas les crafter. Hein. Il sait pas crafter les trucs. Enfin, on va en faire d'autres. Parce que je vais avoir besoin de beaucoup de crafters. Il va falloir vraiment que je me fasse des unités de crafters. En gros, après, ce sera une ligne de crafters qui aura tous les crafts. Alors, il me faut construction,
Hop, 1, 2, 3. Destruction. Tac, les trois qui restent. Hop, et on va les coller là-dedans. Hop, et hop. Alors l'avantage, c'est que je peux encoder, du moment que j'ai les patterns, je peux encoder les crafts sans forcément avoir les recettes sur moi. Et ça, c'est un avantage. Ça, c'est un précieux avantage. Ouais, il n'y aura pas. Par contre, c'est vraiment dommage que je peux pas start si j'ai pas tout, quoi. Mais ce qui est con, en fait, j'aurais le Redstone Furnace, en fait, interfacé, il comprendrait, en fait, ce qu'il doit faire. Ouais, moi, je trouve ça génial. Bon, en attendant, de toute façon, que mon truc cuise, là, moi, je suggère, c'est qu'on se refasse quelques drawers pour terminer le mur de drawers. On peut faire ça. Voilà, le petit mur de drawers. Hop. Des basiques drawers. Bon, là, on peut en faire deux, mais... Il va falloir que je fasse encore des coffres. Ça va falloir que j'aille chercher, à mon avis, c'est du bois. Parce que là, j'ai plus de bois. Ouais. Alors, j'en profitais. En plus, j'ai un peu d'espace. Alors, ce truc-là, résultat, je vais le mettre là en attendant. C'est quoi ça? Revenissant. Ah oui, ok, d'accord. C'est quand j'ai tué le. Ok. Ok. On va aller chercher le bois que j'ai dans le builder. Parce que le bois dans le builder, en fait, c'est parce qu'il a démoli un mineshaft. Beaucoup de choses, en fait, qui sont un peu uniques, c'est soit... Ça vient un peu des donjons, en fait. Voilà, donc tout ce qui est bois, là. Voilà, ça va libérer un petit peu ce que j'ai, là. Après, il va falloir que je fasse des upgrades, il va falloir que je fasse tout ça. Bon. Bref. Alors. Hop. R. Tac. Eh ben, c'est déjà pas mal. Ma wand, j'ai dû la laisser dans le chargeur, si je dis pas de bêtises. C'est cela. Je me suis dit que je retrouverai où elle était. Sympa ça. Hop, comme ça je peux supprimer la ligne qui est là. Ah d'accord, il a complété ici. D'accord, ok. Bah, pourquoi pas, c'est... J'ai envie de dire c'est son droit, mais bon, c'est un peu dommage, il a de la place dans les disques. Ouais, donc ça, hop, pareil. Ça, c'était en prévision de l'extension, mais vu le mur de drawer, à mon avis, on va être tranquille. Hop, non, là. Voilà. C'est drôle, ça me paraît gros quand même. On est bien d'accord, hein. Alors, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc à partir du horaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc c'est bien ça, c'est un carré de 12 par 12. Après c'est parce qu'il y a une ligne en dessous, peut-être que ça me paraît un peu plus gros, mais oui, c'est bien un carré. Bon. Il y a le fauve aussi, il y a le fauve qui fait que... Le FOV qui fait que j'ai l'impression que... Mais bon, 1 million d'iron nuggets. Enfin bref. Ouais, donc ça en est bon. Hop, allez. Je vais lancer une petite production d'émeraude. Bon, là j'ai toujours du fer qui arrive des cuiries. Ah bah oui, résultat. Ici c'est pareil. Je sais pas pourquoi le builder s'est mis d'un seul coup à produire des blocs de redstone plutôt que des redstone simples, je sais pas pourquoi. Et ça arrivait d'un coup, hein. J'ai pas vraiment changé les choses. Justement, je vais regarder. Ouais. Bon, de toute façon, progressivement, tout ce qu'il y a là-dedans, je vais le foutre dans le. Ok, ensuite, autre chose. Est-ce que si je lui demande de me refaire un 4K, bah, il va manquer des choses. Il va manquer des choses, mais c'est bête, hein. C'est des trucs un peu idiots. Bref, je vais avoir beaucoup de boulot. À apprendre entre guillemets au jeu à faire tous les crafts, enfin les crafts au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure que ça va se faire, hein, mais bon, voilà. En tout cas, je me suis fait quelques crafters en plus, donc là j'ai de quoi quand même stocker pas mal de crafts. Hein. Ça fait combien? Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, c'est ça, ça fait 9 crafts par crafter. J'en ai 5, ça fait 45 crafts. Ça fait déjà 45 crafts que je peux automatiser. Alors craft et sous-craft. Hein. Faut que je fasse les sous-crafts aussi. Va falloir que j'y pense. Mais en soi, voilà, c'est pas non plus 43 feux partiques.
Pour le moment, ça tient. Et puis, de toute façon, avec l'alimentation qu'il y a derrière, je pense que ça va tenir encore longtemps. Je pense que je peux en foutre pas mal, hein, en vrai. Alors, je vais pouvoir me faire les patterns que je veux. Yes. J'aime bien parce on peut le voir travailler. Non, c'est super cool. Honnêtement, c'est vraiment cool comme truc. Ce qui va en fait, on va pouvoir garder les drawers comme stockage, comme beaucoup de stockage, et on va vraiment avoir par-dessus Raffinate Storage qui va venir mettre une intelligence sur le stockage, et ça, franchement, c'est cool. Ça, c'est cool. Ils sont où? Je vais pouvoir mettre mes patterns, et là, je peux encoder 64 crafts sans problème. Donc on est parti. On est parti, on est parti. Il va me falloir. Justement, on va regarder un petit peu ce qu'il faut, mais je pense que tout ce qui est. Bah, on va prévoir pour le craft du Redstone Furnace. Si je lui demande, il faut qu'il apprenne à faire une Copper Gear. Une Copper Gear, une Redstone Reception Coil. Des briques, mais des briques faut les chauffer. Et machine frame. Donc déjà ces trois crafts là, je peux lui apprendre. Copper, réception et machine frame. Hop. On va juste faire ça ensemble, histoire voilà que vous voyez un petit peu comment ça se fait. Mais on va faire donc le redstone. Redstone. Furnace. Voilà, donc j'ai dit la machine frame, il va falloir qu'il apprenne à la faire. Donc pour ça, il va devoir d'abord apprendre à faire la tin gear. Ensuite, la machine frame, donc ensuite, il va falloir qu'il apprenne comment faire une machine frame. Ok, ensuite, il y a les copper gear, comme on a dit. Et pour finir, le redstone transmission coil. Réception code. À chaque fois, je clique ici, mais voilà. Et donc ça, ce sont les crafts nécessaires à faire le Redstone Furnace. Donc, on va mettre la réception, toc, toc, toc. On va le mettre comme ça. Et donc là, maintenant, si je lui demande à me faire un Redstone Furnace, il lui manque juste les briques, parce qu'il ne sait pas les faire. Alors, on va juste rajouter les briques. Hop, hop. On va rajouter ce craft. Et pour le moment, vu qu'on n'a pas encore mis de furnace, on lui a pas expliqué comment se servir d'un four. On va devoir cuire nous-mêmes les briques. Mais ça, c'est pas trop un souci encore. Elles sont où les. Là. Ah là, j'ai pas des masses de. Bon, ça va le faire. Hop. Je vais récupérer ça. Et je vais mettre à cuire la clé et les raw basic processors. Alors, hop, le verre. Stone block. Quartz. Et le silicone. On va mettre le silicone là-dedans. Con qui le stocke là, mais bon. Bon, après, il fait ce qu'il veut avec le mur. Hein. Honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Faudra que. Ah, il y a ça que je dois apprendre à lui faire. Parce que ça, je vais en avoir énormément besoin. Ce sont les. Alors, c'est dans les upgrades. Je les. Ils sont où? Ils sont là. Là, ça. Ça, il va falloir que je lui apprenne à faire. Hop. Ça. Donc il faut qu'il. Mince. Donc pour faire ça, il doit apprendre à faire ceci. Et pour faire ceci, il doit apprendre à faire. Non, pas celui-là. Le basic drawer. Donc il doit apprendre à faire ça. Et pour faire les basic drawer, il doit apprendre à faire des coffres. Donc ça. Ouais, on va lui apprendre comme ça, tout simplement, à la classique. Ok. Et donc ça, on va mettre ces quatre crafts là. Ok. Je sais pas pourquoi, lui, il est transparent, mais il existe bien.
Je sais pas pourquoi il est transparent. C'est un bug visuel, mais il est bien là. Ok. Et donc là, si je lui demande de me faire, il dit qu'il lui manque des planches. Mais là, je vais pouvoir automatiser la création de. Voilà, vous m'avez compris. Alors, on va rajouter 2-3 crafts, quand même. Notamment, donc, comment faire des sticks. Ça, il va en avoir besoin. Et les basic drawers, comment faire des planches. Comment faire des planches, comment faire des sticks. Voilà, comme ça, j'aurais plus qu'à mettre en fait des bûches. Et je peux sortir comme je veux les. Des storage. Hop, si je lui en demande 64 là. Il peut me les sortir. Ah oui, super. Il veut me sortir les. Hop, je vais mettre les quelques upgrades que j'ai en plus. En stock là, j'ai 30 upgrades en stock. Mais de toute façon, voilà, hein, ça va être. On va commencer à upgrader les. Les drawers. Donc ça, je vais faire ça. Je vais faire ça hors caméra, mais tout le mur de drawer là va être upgrade. Hein, y a pas trop de soucis. Ok, au-dessus de la Rotten Fletch, faudra que je retienne. Hop, au-dessus de la Rotten Fletch, hop. Bon, au-dessus des flèches, c'est fait. Mais voilà, je vais tout upgrader comme ça, et puis on va voir un petit peu comment ça se présente, quoi. Ah, c'est super comme truc. Ah, c'est. Non, franchement, c'est. Ça bosse pour moi, quoi. C'est. Je vais gagner du temps, quoi. Après, il y a les upgrades de vitesse à faire pour que ça crafte plus vite, parce que là, c'est un petit peu lent. Mais en ce moment, moi, je suis pas pressé. Et l'avantage, c'est que ça va vraiment faire. Voilà, ça va vraiment faire les crafts au compte-gouttes. Et donc, je vais pas avoir des déchets de craft, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que parfois, j'ai tendance à crafter ben, un stack entier d'une ressource. Alors que ben, je vais pas en avoir forcément besoin et ça va faire du stock. Truc inutile. Je vais déjà relancer 64. De toute façon, il peut certainement les faire. Et voilà, donc c'est parti quoi. C'est parti pour l'upgrade. Hop. Ben, j'upgrade les upgrades. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là là. Question, si je lui demande de. Ouais, de m'en crafter 64, mais c'est pas possible. Ouais, de toute façon, il va manquer les trucs que je dois faire chauffer et tout. Bon. De toute façon, il m'en faut pas 64, il m'en faut. Il m'en faut 6. Il m'en faut 6. Le verre, ça serait pas. Ouais, non, le quartz va manquer. Si je voulais me faire les 6 disques qui manquent, le quartz va manquer. Faudrait que le Redstone Furnace, est-ce qu'il saurait le faire résultat? Parce que voilà, je lui ai appris à faire un Redstone Furnace. Oui, la brique. C'est ça qui me manquait. Hop, ça doit être fini depuis le temps. Voilà. Le truc, c'est que je peux pas lui dire un max de. Le truc. De toute façon. Je vais lui en donner un pour le moment. Non, je me suis trompé de. Hop, Preston Furnace. Un, il peut. La question c'est est-ce qu'il peut. Il peut m'en faire 9, par exemple. Non. Mais il va pas m'en manquer tant que ça. Bon, je vais en faire pour le moment que. Je vais en faire pour le moment que 3. Je sais que 3, ça va passer. Après, je peux aussi lui apprendre à faire ça. Il va lui manquer les bronze gear, à savoir, et l'Inver. Ah, mais. Ouais, ça, le truc, c'est que ça coûte des alliages. Mais les alliages, ça, faut que je les fasse moi-même un petit peu à la demande. Mais ça, donc, je pourrais pas tout automatiser, faut pas déconner. Tout ce qui est alliage de bronze, quoi que c'est faisable dans l'induction smelter. Et l'induction smelter, lui, est automatisable avec Raffinery Storage. Donc, à terme, même les alliages, je pourrais éventuellement les faire, mais bon. Hop. Donc, il y aurait aussi. Alors. Ces upgrades-là. Et les Reinforced. Alors, je sais que pour le moment, ces deux-là, je peux les faire sans problème. Entre guillemets, sans problème. Hein, ça demande des alliages. Ça demande de l'électrum. Bon, un peu de silver, mais surtout l'électrum. Ah, donc, ça me demanderait aussi de savoir faire une silver gear. Voilà. Après, pour le signalum, le truc, c'est qu'il me faut du cryothème dust, et ça, pour le moment, je peux pas encore en faire. Il faut que je bute des blitz, et pour le moment, j'en ai pas encore croisé un. Si je trouve où on en croise,
Je prendrai une safarinette, évidemment. Enfin, un mob, emprisonnante, machin, là. Et ce qu'on appelait avant une safarinette. Et je foutrai là dans mon truc de... Que j'ai pas modifié, hein, je vous ai dit, ça c'est un projet, c'est de virer cette partie-là et d'en faire vraiment des farmers mieux pensés. Donc il y a ça, et donc il y aurait ça, ça et ça. Ça, hein, pour faire lui, j'ai pas besoin d'autre chose. Si, la bronze gear, il sait pas la faire. La bronze gear, il sait pas la faire. Va falloir que je lui apprenne à faire une bronze gear. Donc déjà. Et donc là, si je lui demande de me faire une upgrade, il est capable de me la faire. Donc ces upgrades-là, pour les machines, bah, je vais lui en demander 3, de toute façon. Je lui en demander 3. Donc je lui en demander 3 comme ça. C'est bon, c'est parti. Et je lui en demander 3 de raffinade. Et il manque du verre. Il me manque du verre. Décidément, le verre, c'est compliqué, hein. Ok, les basic processors. Bien, bien, bien. Bon, je pense que c'est bon. Je voulais lui demander quoi? Ouais, ça. Ah, je lui ai pas donné. Ah, c'est de la hardened. Ah, oui, c'est vrai, il faut de la hardened pour ça. La hardened. Non, ça se fait pas là. Ça, c'est dans l'induction smelter. Non, mais même pas. Comment je la fais déjà, la hardened glace? Attendez, c'est de la hardened ou... je crois qu'il me faut. Si c'est pas de l'hardened, c'est du. C'est ça, fusée de quartz. Donc en fait, c'est pas ça qu'il me faut, c'est. Ah, tac, tac, tac. C'est du fusée de quartz qu'il me faut. Tac, tac, tac. Ce pattern-là est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas ça. Mince. Oui, évidemment. Donc celui-là, il va falloir l'effacer. En fait, c'est ça. C'est ça, mais en fait, ici, c'est pas de l'hardened de copper glass, c'est du fuzzed qu'il me faut. Ah, tiens, il me restait de. Je sais plus pourquoi je devais faire ça. Pourquoi j'avais besoin de ça? Oui, c'était pour les dimensional corps. Hop, que j'avais posé là. Où ils sont passés? Oh. Merde, ils sont où? J'en ai crafté deux, ils ont disparu. Ah, attendez, ah, par contre j'ai vu un truc. Ouais, j'en ai. Zut. Là, ils sont là. Ouf. On va les laisser en bas quand je les ai vus. Parce que... Voilà, parce que ça coûte cher à faire ça. Ça coûte quand même extrêmement cher à faire. Donc, pour le moment, ça, on va le laisser là. Bon, donc là, j'ai mes trois machins. Et donc, dans le pattern, donc ces deux verres-là, faut les remplacer par des fusées. Et donc là, si je lui demande de me faire mes trois, il est capable de me les faire. Super. Ouf. Alors j'aime bien parce que même si c'est au slave, il va considérer qu'il faut partir du contrôleur pour remplir les drawers. Ce qui est cool. Hop, bon, on va prendre les upgrades, on va continuer ça. Et après, bah, de toute façon, ce qu'il faudra faire, c'est lui apprendre à faire cuire des choses. Mais ça va être... Ça va être chaud, hein. Enfin, ça va être chaud. Faut faire des interfaces, faut... Et encore, si c'est bien les interfaces qu'il faut créer. Hop, c'est ça que je veux créer. Hop. Lance-moi en 64. Faut des Wacood. Hop. Allez, et c'est le moment. Dernier. C'est le moment où je commence à vider mon stock de hack. Super. Et là, l'avantage, c'est vraiment, je peux faire, même si je veux, hop, 128, je l'ai fait, quoi. Zut. Ouais, mais je peux pas faire un clic droit, là, il va me les... Bon. Alors, ici, tout est bon. Hop, la ligne du dessus. Là, bon, jusque deux cases au-dessus de la tête de Creeper, deux cases au-dessus de la tête de Creeper, j'ai dit. Ok, donc deux lignes au-dessus du slave, là c'est bon, c'est
Ouais, donc deux blocs au-dessus du Redstone Furnace. Enfin, des trois Redstone Furnace. Bah, c'est bon, en plus, je les ai, les... donc, quatre blocs au-dessus du fertiliseur. Que j'ai à deux emplacements, je crois. Non, c'est bon. Donc, quatre blocs au-dessus du fertiliseur, je vais essayer de retenir. Allez, pareil, ça les avoir, eux. Allez. Allez, on y croit. Oh, c'est pas vrai. C'est bon. Ok. Alors, on va essayer... comment on peut essayer de faire ça? On peut éventuellement partir sur l'idée ici de tirer une ligne, de mettre nos trois redstone comme ceci. On va tous les trois les upgrade. Voilà. Ça, ils sont max. Au niveau des entrées-sorties, on va dire entrée au-dessus, sortie en dessous. Non, on va pas dire ça comme ça. On va dire entrée et sortie en haut simultanément. Ok. Alors, j'ai une interface. Donc, ce qui signifie que je peux essayer au moins avec une interface. Ok. Et il va juste me falloir un câble. Alors, l'idée, c'était que le câble passe derrière. Et donc là, l'idée, c'était... Est-ce que si je mets des patterns, est-ce qu'il va comprendre? Que j'ai vu qu'il y avait processing en pattern. Donc si de quoi j'ai besoin de faire du silicone par exemple. Donc et c'est ce silicone là que j'utilise. Donc ok, donc input un nether quartz et sortie hop machin. Si je le mets dans l'interface, il a été importé. Ouais, il a été importé. Donc c'est pas ça. Là, est-ce qu'il y a un mode? Non. Est-ce qu'il faut que je lui mette une crafting upgrade? Parce que sinon, est-ce qu'il faut que je mette filter, network card? Après, non. Il y a une wrench, tiens, pour raffiner des storage. Ouais, après, voilà. Ah, il y aurait ça à faire. Il y aurait ça à faire aussi, c'est pour que je puisse pour que je puisse voilà hein on est tous d'accord non je réfléchis mais il y a un truc qui s'appelle le constructeur mais je pense pas que ce soit ça parce qu'il y a constructeur destructeur il y a leader writer détecteur et les relais. Pour moi, ce sont les interfaces qui sont censées faire ce rôle. Donc, une interface, j'en ai crafté une. Est-ce que si je lui dis non, là, non. Export, non. Ah, attendez. Alors, attendez. Si je lui dis ça, qu'il peut exporter ça. Ouais, alors, attendez, c'est peut-être un peu trop. Voilà, mais. Non, mais c'est pas ça. Attendez. Oups. Oups. Ah, c'est un peu complexe. Je lui dis qu'il peut importer du silicone. Ouais, mais voilà, là, il me l'a bouffé. Il me l'a bouffé, il me l'a... Alors, surtout aussi, l'avantage, c'est que je vais avoir le petit moteur de recherche, et ça, c'est bien, ceci. Bon, ok. Donc, visiblement, je fais fausse route avec l'interface, hein. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est le constructeur? C'est un peu con, ça manque de. Ça manque de précision hein, sur. Parce que je sais que si on fait un importeur, ça va importer en permanence. Et donc ça va me cramer. Par exemple, si je mets un importeur de sable, ça va m'importer du sable en permanence et pas seulement quand j'en ai besoin pour faire du verre. Donc normalement, je dois avoir un truc où je mets le craft et. Parce qu'après, dans Raffinate Storage, il n'y a pas de comment d'interface de four, enfin de four ou de trucs comme ça. C'est le truc quoi. Crafter Manager. Non. Là, ça, j'ai pas compris. Alors, j'ai un peu bloqué. Il va falloir, je pense, que je me renseigne. Heureusement, j'ai toujours le wiki ouvert à côté. Alors, il me faut donc ces Refined Storage. Alors. Ah, par contre, il existe aussi des add-ons.
Est-ce que ça serait pas dans les add-ons? Dans ce cas, ça serait un peu idiot. Inspiré par la pléiade énergistique. Sans déconner! Hop, alors, sur le wiki de Feed the Beast, il n'y a pas. Il renvoie en fait vers le site officiel. Donc. D'accord, et Refinet, c'est pas. Enfin, il n'y a pas que Refinet Storage, il y a tout un. Il y a tout un univers autour de Refinet et rajouter ce que vous voulez derrière, quoi. Donc, ok. Là, par contre, le wiki, il est beau. Alors, la question c'est. Allez, par exemple, je prends le writer. Pas plus d'infos. Autocrafting. Tata, les patterns. Pattern dependency. Ok. Crafter, crafter. Oui, le exact mode, je l'ai pas moi. Bah là, je vois pas. Je vois pas. Processing recipes. Ah! Oh, d'accord, ok, alors ok, d'accord. Non, alors c'est pas ce que je voulais, c'est pas le crafting monitor que je voulais. Hop, le crafter. Apparemment, faut utiliser le crafter. Est-ce que je viens de comprendre, hein? Par contre, voilà, faut qu'il fasse face à la machine. Et donc là, si je lui dis qu'en input tu mets du nether quartz et un de silicone, là il est censé comprendre. On va essayer, hein. On va essayer. Admettons, le silicone. Je prends tout le silicone avec moi. Hop. Et je lui dis d'en crafter un. Alors il l'a, mais il ne l'a pas récupéré. Ce qui signifie que l'entrée est ici. Et il va falloir que je prévoie une sortie. Il va falloir que je prévoie une sortie. Et cette sortie, ça peut très bien être un. Parce que si je refais des exports, c'est un peu con. En tout cas, c'est bien, il l'a bien envoyé. Le truc, c'est que maintenant, il faut que je le récupère. Alors, soit je peux récupérer par en dessous avec des exports, soit je fais des simples pipes, des items duct, et normalement, ça devrait marcher. Alors, par contre, résultat, on va peut-être, c'est ici, supprimer et remettre un slave. Alors, ça, c'est chiant. Et il me faut une axe, il me faut une ma hache. Normalement, je l'ai posée là. Gagner du temps à faire ça, la hache. Donc, je dis troisième ici. Voilà, il va y avoir quelques endroits où il va y avoir des slaves. Voilà, hein, on administrera un petit peu au fur et à mesure des besoins. Et donc, il me refaut, sachant que je ne l'ai pas autocrafté, mais un slave. Je dois avoir tout ce qu'il faut là-dedans, hein, si je dis pas de bêtises. Presque. Presque, presque, presque. Comme toujours. Le quartz, tac, 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 deux, hop, hop, et on a notre slave, ok, et les items duct, bien sûr, hop, item duct, avec un petit signaloum, avec plusieurs petits signaloum, voilà, va falloir que je refasse des items duct, mais faut que je regarde pour le, pour autre chose, zut, bon. Pas grave, on va le faire ça comme ça. Hop, ok. Item duct. Alors l'avantage c'est que là pour le moment, ok pour le silicone, mais on peut aussi rajouter le verre. On peut aussi lui dire de processer du verre. R. Donc smelting. On peut lui dire ça. Ça c'est aussi un process qui peut gérer. C'est sûr. Ok, ensuite, donc le signaloum, hop, voilà, t'envoies. Et donc là, il va me falloir des crafters par-dessus ça. Des crafters, puis je vais mettre les quelques câbles en prévision. Mais voilà, on va pouvoir ici faire fondre voilà, ce qu'il faut. Et par contre, non, il l'a pas accepté. Bon, on va réessayer. On va réessayer. On va faire du silicone. Il dit pas qu'il est trop loin. Ah non, putain. Bon, on va réessayer. On va bien sûr réessayer. C'est parce que j'ai oublié de configurer la sortie. Donc, du silicone. Donc là, évidemment, il y en a un qui est arrivé. Non, c'est pas ce que je veux, c'est ça. Si je lui demande de m'en crafter un, start, process.
Il est arrivé. Il est arrivé, mais il me l'a pas supprimé. Ah, c'est pas vrai ça. D'accord, donc il faut obligatoirement que ce soit en import. Il faut que ce soit en import, sinon en fait il comprend pas. Il a vu un truc arriver, mais il a pas considéré que c'était lui qui l'avait crafté. Il faut que ça reparte. Il faut que ça reparte vraiment dans le système. Sinon, il veut pas. Bon. C'est pas grave, hein, on apprend. Donc il me faut un export. Il me faut. Ah, je vais y arriver. Arrête de faire n'importe quoi. Voilà. Quand même. J'ai plus d'énergie dans mon aimant, apparemment. Ok, résultat. Résultat, il va me falloir au moins un export pour le moment. Il va falloir qu'on refasse ça. On va, quitte à faire, qu'est-ce qui me manque? Un advanced, c'est ça? Non, il me manque un constructeur. Ça commence à être juste niveau câble. C'est trop juste niveau câble. Faut que je refasse des câbles. Hop. Hop. Bon, donc ça, ok. Est-ce que éventuellement je peux. Non, je peux pas lui dire de ça, l'ignorer. Bon, c'est pas grave. Hop. Mince. Ok. Décidément, c'est French. Alors, cancel all. On recommence. Alors, c'est à chaque fois que je le fais une case différente, mais c'est pas grave. Donc, je veux crafter un silicone. Je commence. Il est en process. Il a fini, mais il est pas reparti. Ah, mais non, le exporteur, ça. Ah, je me suis trompé, c'est un importeur qu'il faut faire. C'est un importeur. Importeur. Y arriver, y arriver. Hop, super. Ah, il manque quoi? Il manque le destructeur, c'est ça? Oui! Ça a marché. Ça a marché. On refait un dernier test, mais visiblement. Yes! Ouf! Oh, enfin! Enfin, ah, alors je sais pas si vous entendez le bruit. Moi, j'ai un problème avec mon casque qui fait des bruits comme des cliquetis. Faut que j'en change. Je sais pas si c'est seulement dans mes oreilles ou si le micro aussi est touché. J'espère pas. Oh. Bon, on va déjà pouvoir automatiser au moins 9 cuissons. 9 cuissons. Bon, on va commencer à. Bon, on va. Automatiser hop raffiné. Oula, alors excusez-moi, ça fait beaucoup de bruit dans mon micro d'un seul coup. Je verrai au montage hein, si ça s'entend ou pas. Donc ok, il me reste deux emplacements. Donc on va faire de ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de ces trois crafts là. Donc pour l'instant c'est pas du process, c'est ça. Donc il me faut le basique, improvement et l'avancée. Ok. Pour chacun de ces trucs-là, il faut que je fasse ça. Ok. Donc ça déjà, ce sont les crafts. Ensuite, ouais. Donc ensuite, en processing. Et encore, non, il y a encore des crafts à faire. Parce que le construction core se fait comme ça et le destruction core se fait comme ça. Ok. Ensuite, c'est du process. Dans le process, on a le basique qui se fait comme ça. Donc ça, c'est des cuissons. Ça, c'est des cuissons. Donc on a le basique, on a l'improvement. Donc c'est pareil, cuisson. Et on a l'advanced qui est une cuisson. Donc, dans les crafts, on rajoute le destructeur, le constructeur. Ça, voilà. Et dans les cuissons, on rajoute basique, improvement et advanced. Et ben. Et donc là, si je lui demande de me refaire un crafter, parce que je vais en avoir besoin, est-ce que c'est le du. C'est lequel le problème? Il y en a encore qui pose problème. Il y en a un qui pose problème parce que c'est pas le bon silicone. Alors, lequel est-ce? Ben, je suis sûr que c'est lui. Hein. Alors, l'euro basic processeur, c'est sûr. En fait, c'est tous les processeurs. Tac, tac, tac. Hop, on les réencode. Donc, alors, le basique, c'est pas un process. C'est ça, c'est là. Il faut que ce soit celui-là. Ensuite, le improvement. Va falloir que je les refasse tous parce que c'est pas le bon à chaque fois. Ok. Et question là, lui, là.
Il demande du silicone aussi, lui. Non, il demande pas de silicone. Ensuite, ici. Donc, ici, ce sont les cuissons, donc il n'y a pas besoin. Et ici, il n'y a pas besoin de silicone. Ok, donc c'est juste ces trois-là qu'il fallait que je réencode correctement. Donc, on recommence. Si je lui demande un crafter. Oh. Alors, ça c'est pareil. On va pas utiliser des slime balls, on va utiliser des. Donc ça c'est les. C'est ce truc-là. Ce truc-là, on va utiliser plutôt les pinkies. On va utiliser les pinkies, c'est plus simple. On va utiliser les pinkies. Hop. Allez, cette fois-ci, ça doit être la bonne. Yes! Il me l'a créé. Bon. Alors par contre, attendez. Juste un truc, lui là. Donc oui, donc le crafter. On va le poser. En vrai, je vais en faire deux autres. Je vais en faire deux autres, comme ça je complète ma ligne. Alors, deux autres, c'est sûr, ça passe. De toute façon, il est capable de les crafter. Donc, il est capable de les crafter. Il est capable d'aller faire cuire ce qu'il a besoin. Il a besoin. Il fait tout. Il fait le café. Donc, y a aucun souci. Ok, la question c'est est-ce que maintenant, est-ce qu'il peut m'en crafter deux autres encore? Sans problème. Ça va être pour les fours, ça. Hop. Hop et hop. Donc voilà, donc là j'ai ma ligne de crafter et je vais avoir les deux autres pour les deux crafts qui sont là. Ok, super. Ouh. On progresse, on progresse, on progresse. En vrai, j'ai pas vraiment besoin d'upgrade. C'est super rapide. Donc j'ai pas vraiment de besoin de. Hop, mince, c'était dans le bon sens. Là. Et là, c'est dans le bon sens aussi. Ok. Donc ça c'est bon. On va faire des imports. Alors, les imports c'est pareil. On va hop. Donc il y a ça. Mais pour faire ça, il faut faire des câbles. Les câbles, il sait pas encore les faire. Ok. Alors ici c'est plein. Ici c'est plein. Ici j'ai deux emplacements de lit, mais je réserve plus à autre chose. Ici. Ici, ça peut le faire. Donc des câbles et des imports. Hop. Et donc là, si je lui demande de me faire deux importeurs, il n'y a pas de souci. Ah, mais j'aime ça. J'adore. Mais j'adore. C'est génial. On fait le craft une fois et après, on peut lui demander autant qu'on veut, quoi. Hop là. Super. Bah écoutez, est-ce qu'on lui demande. Hop, on va juste se prolonger un petit peu. Alors, en vrai, je ne vais pas avoir besoin d'autant. On verra. C'est dans le projet, on va dire. Mais est-ce que éventuellement je ne lui demanderai pas des Redstone Furnace en plus? Autre chose, je vais ajouter un autre craft. Je vais ajouter un autre craft. C'est dans les upgrades. Non, il va falloir que je tape kit, je crois. C'est ça. C'est ces kits-là. C'est ces kits d'upgrade. Celui-là, j'aime bien de. Quand j'ai un Ardened et un Reinforced, les lier ensemble, ça me fait qu'un seul clic, en fait. Et donc, je saurai au moins que je peux. Alors, ils sont où justement ces crafts d'upgrade? Ils sont là. Avec la silver, ouais. Ah, c'est un peu con. Voilà, comme ça au moins. Si vraiment je sens que les crafts mettent vraiment beaucoup de temps à arriver à un moment à se faire, au moins voilà. On fait un petit test de celui-là. On lui demande d'en crafter un. Pff, il dit qu'il n'y a aucun souci. Mais j'en ai pas forcément l'utilité. Est-ce que j'en aurai l'utilité pour quelque chose? Lui là-bas, il est comment? Ah, mais il est déjà un Ardennet, c'est con, ça bouffe un Ardennet pour rien. Vous savez quoi? Ça me sera forcément utile arrivé un moment. Hop, on va upgrader cette énergie celle-là. Alors, donc, et on va donc utiliser le conversion. Pff, ah, mais la vitesse! Oh là là, mais vous savez que. Et moi j'aurais mis une petite plombe quand même à le faire moi-même. Allez, vas-y, pompe de l'énergie. Pompe de l'énergie. Ah non, mais c'est génial! C'est absolument génial.
Bah si, j'avais ça aussi. C'est une thermal expansion, ça. Le pulvériseur et l'induction smelter. Hop, allez. On va upgrader ça, là. Regardez-moi ça. Comme une lettre à la poste, c'est génial. Mais c'est génial. Oh là 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 là. Bing. Et bing. Là, je vais pouvoir pulvériser à fond de blinde. L'induction smelter, pareil, je devrais le bouger. Je devrais le bouger, je devrais aller le mettre là-haut pour faire des alloys et puis lui dire les alloys, tu les fais là-dedans, quoi. Non, à la limite, on va laisser celui-là là. Et on va faire un autre induction smelter. Est-ce que. Il n'y aura pas besoin de craft pour ça. Il y a très peu d'alloys, donc un seul me suffira d'induction smelter. Je ne veux pas faire un craft automatique pour ça. On va juste le faire avec. Par contre, on va le faire avec ce truc là, induction smelter, de l'invar, copper, du bronze. Ouais, alors c'est l'inconvénient, c'est que bah quitte à effacer le pattern après, on va le faire quand même. Alors normalement, il sait tout faire, hein. Normalement là, il sait tout faire. On va vérifier, mais normalement là, si je lui demande l'induction smelter, l'invar gear, il ne sait pas la faire. L'invar gear, on va la mettre avec les deux autres gears. Si je lui demande l'induction smelter. Ah là 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 là, mais c'est génial ce truc, c'est génial. Et donc l'induction smelter, je vais le mettre là. Ah, si je le casse, est-ce que. Bah non, oui, bah oui, évidemment, les upgrades. Attendez, c'est quoi? Non, induction smelter. Donc on va mettre là l'induction smelter. On va refaire un kit upgrade. Ah, alors attendez, par contre. Alors, on va bien évidemment faire. Donc, ici c'est les inputs, ici c'est l'output. Le truc c'est. Bon, on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc, les alloys. Donc, les alloys, bah, on a pour commencer l'invar. On a l'invar évidemment, qui est un. Donc, il me faut dans l'induction smelter. Ah, il faut du nickel. Il faut du nickel. Et il ne l'accepte pas sous forme. Ah, ça m'arrange pas ça. Bon, l'invar, faudrait que je le fasse au fur et à mesure. Ensuite, il y a le bronze. Parce que le truc, c'est que je compte en pulvériser un petit peu. Je le garde sur moi le nickel parce que en le pulvérisant, je crois que je récupère un truc qui est plus avantageux. Remarquez, vous me direz, je peux lui demander de le pulvériser à la demande. On verra. On verra, on verra. Et il faut que je mette un pulvériseur dans ce cas, dans les machines derrière. Bref. Alors, il me faut, que je dise pas de bêtises, le bronze. Le bronze. Enfin, ça faut que j'en ai plusieurs. J'ai celui de thermal. Non, bah, j'ai que celui de thermal en fait. Il n'y en avait pas un de Industrial Craft? Non? Bon, bah, celui de thermal. Pas un souci. Ah, mais ça peut se faire comme ça? Ouais, voilà, c'est parce que ici ça coûtait un peu moins cher. Et encore, même pas. Ouais, donc pour le coup, le bronze, bon, bah, ok. Bon, bah, le bronze, ok, il y a moyen de le crafter. Bon, bah, donc, ok, on va le crafter, c'est pas un souci. On va le craft, c'est pas un souci. Au moins, on pourra avoir du bronze quasiment en illimité. Ok. Dans les autres alliages, on avait quoi? Invar, bronze. Donc, Invar, bronze. Après, tout ce qui est alliage, c'est là, hein. Donc, on a l'invar, on a dit qu'on le gérait nous-mêmes parce qu'il faut du nickel. Le bronze, c'est vu. L'électrum. L'électrum. Alors, tout ce qui n'est pas électrum. Gold et silver. Et si je dis pas de bêtises, je peux mettre des lingots complets. Non. Ah, si, voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Silver, silver et gold. Et ça, on va tester ça. Dans l'induction smelter, c'était page 3, je crois. Hein. Non. Plus loin. Là. Donc ce craft-là, c'est dans l'induction smelter. Ah, alors. Hein. Alors, on va tout éjecter. On va tout garder sur nous. Voilà. Et on va demander d'en crafter un. Ben oui, le résultat, il va en crafter deux. Mais est-ce qu'il va en être capable? Mais c'est génial! C'est génial. Bon ben voilà, hein, ça c'est bon. Ça c'est réglé. Mais c'est un truc d'enfoiré! Mais c'est. Ben, l'électrum n'est plus un problème, c'est fini!
Ah, si je pouvais faire le Signalhomme aussi. Non, le Constantin, ce sera pas possible. Mais on va s'intéresser au Signalhomme. On va s'intéresser au Signalhomme. Le Signalhomme dans l'induction smelter, c'est quoi? C'est pas craftable. C'est pas craftable dans l'induction smelter, c'est forcément. Alors, il y a le Loi, mais sinon, dans le. Hop, de l'alloying. Ouais, donc il faut. Non, ça, c'est obligatoirement. C'est obligatoirement dans Tinker. Donc, le Signalum, faut pas déconner, on n'arrivera pas à l'automatiser. On n'arrivera pas à l'automatiser. Ou alors. Non, non, on n'y arrivera pas. Si, il y a moyen. Avec le pulvériseur, il y a moyen. Ouais, mais bon, ça paraît compliqué quand même. C'est ouais, c'est pas si simple que ça quand même. Bon. Ok, donc le Signalum, c'est mort. Il me semble que le Constantine, c'est pareil. Vu qu'il faut trois éléments, le Constantine, c'est mort. On n'arrivera pas à le. À l'adduction de smelteray. Alors tout ça, ce sera des trucs avec les sables. Ah, quoique. Ah! Ouais, mais pareil, nickel. Faut du nickel. C'est pour ça que. C'est nickel et copper. Le Constantine. J'ai un doute. Hein. J'ai vraiment un doute sur le nickel, mais le nickel, il me semble que si je le pulvérise. Il y avait un truc avec le nickel et le pulvériseur. C'est pour ça que je veux pas faire cuire mon nickel que je le garde entre guillemets précieusement. Nickel or, usage. Tac 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 dans le pulvériseur. C'est ça. C'est parce que dans le pulvériseur, ça peut me faire du platinium. Et ça, j'en ai besoin. Ah, ça, j'en aurais besoin à terme. Ce que j'ai vu, c'est le seul moyen pour le moment d'avoir du platinium. Après, il existe du platinium or, mais je suis jamais tombé dessus. Donc le nickel, le pulvériser pour obtenir du platinium, c'est entre guillemets le seul moyen que j'ai. Après, je peux faire une ligne de production de ça. Mais ça, je le ferai entre guillemets moi-même. Je vais l'automatiser moi-même. Je veux pas le faire par fenêtre de storage. Parce que justement, le platinium, je vais en avoir besoin. Donc voilà, c'est juste un détail. C'est pour ça que le nickel, je le fais fondre vraiment à la demande, si j'ai vraiment pas le choix. Sinon, faut que je passe au pulvériseur pour. Quand j'aurai besoin du platinium, je sais que mon nickel, j'en aurai extrêmement besoin. C'est pour ça que pour le moment, je le stocke dans mon backpack. Bon, donc le Constantine, c'est réglé. Bien que ce soit simple à faire. Ensuite, ça, c'est le Energetic Alloy. Ouais. Pareil, Energetic Alloy. Il va me falloir. Je crois qu'il en faut 3. Non, parce que c'est le Vibrant. L'Energetic Alloy, je crois que c'est faisable encore. Non, c'est que de la. Ce n'est que de l'alloying. C'est ça, parce que c'est de la Glowstone, du Gold et de la Redstone. Et c'est faisable aussi dans la smelterie. Hein, c'est d'ailleurs comme ça que je le fais. Hein. L'Energetic Alloy, je le fais dans Tinker Construct. Ça te demande que de la redstone, du gold et de la glowstone. Et en plus, ce sont trois éléments qui font extrêmement vite. Il n'y a que le gold qui met un petit peu plus de temps. Mais la glowstone et la redstone, c'est quasiment instantané. La fonte. Et donc voilà. Donc, il y a encore quelques alliages qu'il faut que je fasse moi-même avec Tinker. Mais le bronze, en tout cas, est automatisé. Après, est-ce que. Induction smelter. Usage. Ah, il y a ça. Il y a le solarium. Ça, on peut rajouter ce craft-là. Le solarium. Oh, faut que j'automatise ça. Le truc, c'est est-ce qu'on peut automatiser l'induction smelter? Ah, l'alloy smelter. De Under.io. Si on peut le faire. Là, c'est cheaté parce que je pourrais même faire des dimensionnels transmetteurs en quelques clics, quoi. Et ça serait vraiment cheaté. Hop. Alloy smelter. Non. C'est le crafter qui est au-dessus. On va rajouter ça.
Alors, on va continuer à explorer, hein, quitte à faire. Induction smelter, usage. Ouais, évidemment. Attendez, c'était quoi ça? Oui, le nickel et le. Oui, évidemment, oui. Silver. Fused. Ouais, logique. L'aluminium brass, mais on s'en fout. Ça, on s'en sort de façon très très anecdotique et encore, c'est pas vraiment utile. Ouais, zirconium, bon. Ah oui, Ironwood, mais ça se trouve dans la Twilight. Ouais, bon, il y a 112 pages quand même, j'ai pas vu, mais il y a 112 pages. On va pas tous se les faire, mais il y aura celui-là, éventuellement. Au cas où, c'est du Under.io. Bah, le jour où on en aura besoin, au moins on saura qu'on peut le faire. Et j'ai pas retenu à quelle page on était. Là, c'était là. Je vais vérifier la page, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, le style et le silicone. Ouais, mais il faut faire du style. Et évidemment, je l'avais oublié, lui. Et encore, ouais, c'est pas le machine casing que je pensais, mais oui. Ouais, après, ça va être à l'usage hein, qu'on va upgrader tout ça, parce que là, je sens que... Voilà, hein. Mais il y a 112 crafts. Alors, même s'il y a beaucoup de trucs, voilà, à base de sable pour pouvoir, entre guillemets, sabler les outils. Voilà, bon, à l'usage, on saura s'en tirer. Mais je commence à me dire que. Je commence à me dire que peut-être ça serait pas con d'automatiser un petit peu tout ça.